Nobile Mayakuri, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution and the law, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Pour moi, aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui est ouvert dans mon avis. Et c'est un grand challenge, c'est un grand honneur aussi. Et je vais tâcher faire de mon mieux pour répondre aux attentes de la population. Je serai le garant avec la présidente de la Constitution. Et pour aussi travailler avec les ONG pour l'avancement des projets Kizotena autant que possible dans mon domaine à Côte Mokapavena, une contribution à faire. Je me dis que je peux attendre depuis longtemps, il y a un peu de patience, parce que je peux récolter son fruit. Ouais, je souhaite lui bonne chance, tous mes bons souhaits, et je sais qu'il peut faire très bien. Ok? Voilà, et tout. Il y a une affaire bien claire, bien simple. Dans le cadre de Dayal, il y a ce recording là. Et si ce recording là est admissible, ça peut dépendre de la cause. Mais pour moi, je prends ça comme preuve et je trouve une clear case contre Dayal. Je dis à lui, step down. Par contre, pour visiter la Minaraïdou, il n'y a pas d'implication légale. Laisse faire l'enquête et quand arrive conclusion, soit les blancs ou bien trouver une caisse et pour un an, provisional charge. Là, on peut demander step down. C'est aussi clair que ça. Monsieur le Premier ministre, dans le cas où je suis dans la rue, je peux dire que vous espérez qu'il enquête les cas, que vous faites assez vite. Et là, vous avez dit que pendant cette convocation, il n'a géré la fila vite pour contrecarrer sa convocation des cas. Que vous pensez de ça? Ah ben écoutez, ça c'est le droit ça, hein. C'est que ce bon avocat conseiller, il peut faire, nous a guetté qui est arrivé.